Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers abonnés, chers étudiants, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, aoutoulikoum pour une nouvelle vidéo concernant la révision de zoologie. Donc, c'est la quatrième partie de la zoologie. Donc, après avoir parlé des protozoaires, des pluricellulaires parazoaires, donc, les pluricellulaires métazoaires. Donc, j'espère que vous arrivez à me suivre et pour les gens, bien sûr, donc je rappelle qu'ils peuvent ramener les confessions de l'Ouest, l'email donc sabrusto@gmail.com ou là, bien sûr, je suis joignable sur mon Facebook que vous connaissez déjà. Donc, la fois passée, donc, elle est pluricellulaire, il y en a les méta, les le deuxième sous-règne qui représente le règne animal, les pluricellulaires, c'est l'organisation des tissus. Donc, il y a un groupe qui va posséder, qui va présenter un état pluricellulaire, il y a plusieurs cellules, mais ça, il y a un tissu. Qu'est-ce que ça veut dire un tissu? Ça veut dire un ensemble de cellules qui ont la même fonction et la même structure et ils exercent la même fonction. C'est le tarif de Nessij. Les êtres vont posséder plusieurs cellules, mais ça ne veut pas le charte tani est à la formation de le tissu. Donc, c'est les parazoaires. Qui n'arrivent avec détail la fois passée, ou qui sont représentés par un seul embranchement, les rois, l'embranchement des spongiaires, ou là, qui m'assimilent les éponges de mer, ou là, les sphinges alba, d'accord, avec toutes les caractéristiques, les chevenirent la fois passée. D'accord. Ensuite, on est passé au deuxième groupe qui représente les pluricellulaires. Les humains, ce sont des êtres qui vont posséder plusieurs tissus, ça parmi plusieurs cellules, pardon, et parmi les cellules, donc, Kane Wehdbar qui va former un tissu. Donc, le groupe seminaire, les mésozoaires. C'est un groupe intermédiaire, comme la plupart du temps, la littérature m'a dit. Donc, mais ce sont des êtres qui existent, puisqu'ils ont été présentés par notre référentiel, où ils sont représentés par quatre embranchements. D'accord. Et aujourd'hui, on passe au troisième groupe, les pluricellulaires, donc qui sont des êtres qui vont posséder plusieurs cellules et par la même occasion, ils vont présenter une vraie organisation tissulaire, yani les tissus ou hedus minahum les e-métazoaires ou là les métazoaires. D'accord. Alors, les e-métazoaires, donc comme leur nom indique, elles stamina le préfixe e, le préfixe e, ça veut dire vrai. Donc, non, on est en face de vrais pluricellulaires, l'air qui possède de vrais tissus. Donc, à l'ébihasminahum, les e-métazoaires, et dans la plupart du temps, donc, vous les allez les trouver sous cette nomination-là, il y a les métazoaires. Donc, puisqu'ils vont posséder un vrai tissu, kinguru un tissu, yani, le tissu, ma directement tissu, mais sous forme d'un feuillet embryonnaire. Alors, winter est le feuillet embryonnaire est pendant la gastrulation, puis pendant la gastrulation, donc après la segmentation, les donc, la gastrulation, je vous conseille de trouver la vidéo de la gastrulation disponible sur la chaîne pour que vous puissiez qui fait chez nous les feuilles embryonnaires. Donc, pourquoi ça nous intéresse? Parce que c'est un critère qui va être utilisé pour répartir les métazoaires. Donc, les métazoaires, nous avons justement le nombre de feuillets embryonnaires. C'est le critère qui va être utilisé. Donc,
هاد لو كريتير اللي هو عدد البريقات اللي غادي تتكون بوندون لا غاستغولاسيون، تمكننا باش يكون عندنا ثلاثه تاع المجموعات تاع لي ميتازوا، دونك 3 غروب دو ميتازوا. لو برومي غروب va posséder un seul feuillet embryonnaire. سميناهم لي مونوديرميك. D'accord ? Le deuxième groupe, c'est un groupe qui va posséder deux feuillets embryonnaires et donc sminahom les didermiques. Ou le troisième groupe va posséder trois feuillets embryonnaires, sminahom les tridermiques. Donc, vous avez compris, Blik, mono, il fait référence à un, di, ça fait référence à deux, et tri, ça fait référence à 3. Maintenant, les métazoaires, un groupe de métazoaires qui a un seul feuillet embryonnaire, un autre groupe qui a deux feuillets embryonnaires, ou un troisième groupe qui a trois feuillets embryonnaires. Les radis que nous qui m'avons pendant la gastrulation. Le premier groupe, les ou les monodermiques, c'est un groupe qu'on a découvert sous forme de fossiles. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas l'étudier. On va passer directement le deuxième groupe, les ou le groupe des didermiques. Donc, les radinchopolions, ou la dernière partie, tu as les révisions, on va dire chevaux les tridermiques. D'accord? Donc, on va commencer par les métazoaires. Didermique, on peut les appeler didermiques ou là diblastiques ou là diploblastiques. C'est la même chose. Hadou les trois nominations qui veulent dire la même chose, c'est-à-dire que ce sont des êtres métazoaires qui vont posséder deux feuillets embryonnaires. Alors, la nature, ils sont représentés par deux embranchements. Ce sont des êtres marins, là, la famille Elbar, où on va les trouver représentés par deux embranchements. L'embranchement de l'eau, l'embranchement des ténères, ou l'embranchement Zewish, c'est l'embranchement des cnidaires. D'accord. Donc, que ce soit l'embranchement talectinaire ou l'étalectinaire, ce sont des êtres marins. Le cours, c'est-à-dire la vidéo, dans le PowerPoint, donc, comme les photos pour savoir ou pour découvrir les êtres hadou, les homalectinaires ou les cnidaires. On va commencer par les premiers, les homalectinaires. Alors, les cnidaires, ce sont des êtres déjà transparents, ils sont transparents et par transparence, nous oublions qu'ils possèdent uniquement deux feuillets, un feuillet externe et un feuillet interne. Mais je suis fixé, qui m'a l'espongière, ce sont des êtres qui sont mobiles, plus exactement, ils se déplacent par la nage. Ce sont des nageurs. Ils se déplacent, ils peuvent se déplacer. Le déplacement de l'homme, il va se faire grâce à la présence d'avoir les structures, les radinakilkomadihom, qui n'est qu'à les caractéristiques. Donc, le courant est comme trois caractéristiques. Elle a des cellules qu'on appelle les coloblastes. Ensuite, elle a des structures qu'on appelle les palettes ciliées. Ou bien, elle a une autre structure qu'on appelle le statocyste. Voilà. Alors, le premier point, les coloblastes. Les coloblastes, ce sont des cellules. D'accord, ce sont des cellules spécifiques, les radines cellules humaines, les cténaires. Moi, c'est bon, j'ai un autre groupe. Comme leur nom indique, dans le mot coloblast, on retrouve le mot col. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les cellules, ils vont posséder, ou ils vont avoir la possibilité, une colle. Une colle, ou la medda lacera, une matière adhésive. La matière
واش غادي تستعمل؟ غادي تستعمل بوغ ان رول دو نوتريسيون. الوغ لو مود داكسيون لو كتينير قلت لكم سي ان ناجور اي دونك ينجم يديبلاسي باش يصيد الفريسه تاعو. دونك كونت يسو ديبلاس و كونت يفوا فريسه كيحس بالفريسه ولا باقتراب الفريسه غادي ياكتيفي هاد ليكولوبلاست تاعو. وكي اكتيفي ليكولوبلاست تاعو غادي ينجو هاد الماده اللاصقه. وهاد الماده اللاصقه غادي افاسيتالي سور لا سيرفاس دو لانيمال. ومن بعد هذاك لو كتينير تاعنا يقرب من الفريسه تاعه. كي يقرب غادي يلصق تلصق فيه الفريسه. وكي تلصق فيه الفريسه دونك اي فا لا فيكسي بو بوفوار سو نوري. D'accord. Les coloblastes, la position de ham, où ils radient ces bourrons. Est-ce que radient ces bourrons sur le feuillet externe ou le feuillet interne? Radient ces bourrons sur le feuillet externe. Ils se disposent au niveau de l'ectoderme. D'accord. Donc les coloblastes, maquin chouette ou les ouches, qui est une série de cellules qui vont se disposer au niveau de l'ectoderme ou en position de repos, main jowelo, en position d'activité. Radin zuna et le metal la sera, les radit maquin le hayo antenna, bèche fixe la proie ta, bèche hydrate. D'accord. Le deuxième point, ou la deuxième structure, les radin hkwaliha, ce sont les palettes. Donc Kingoul, une palette ça ressemble à ça, qui m'a la palette à le maquillage, d'accord. On dit la cils, les cils chouaïrat, yani elle va porter des cils. Alors elle les palettes ciliées, la position radicono à la surface de l'animal face à hein. La surface ou l'oral terme, ça va être un rôle de déplacement. Et grâce à la présence de palettes ciliées, grâce au mouvement d'alicite, chouaïrat, qui est de chouaïrat et tarroco, donc l'animal, il n'est jamais rond, il peut se déplacer d'un endroit à un autre. D'accord? Le cours. Donc, je vous ai laissé quelques photos. Donc, c'est une photo. Un cténaire donc avec la présence de palettes ciliées, donc il m'a le couchouvou sur aérat, d'accord. Ou non, c'est une autre forme de cténaire, d'accord. Ou non, sur le schéma, vous pouvez voir les palettes ciliées avec les cils, d'accord. Donc, c'est le deuxième point, les concernant les cténaires. Ou le dernier point, c'est la présence d'une cellule, d'une structure pardon, spécifique qu'on appelle le statocyste. Alors, le statocyste, c'est une structure qu'on va retrouver en l'ectinaire, ou le rôle terre, c'est le maintien de l'équilibre de l'animal. Donc, l'animal ta'na rafimiyah al-bah, c'est un animal qui est très très léger et donc qui risque d'être emporté par les courants marins. Donc, bech pour lutter contre le déséquilibre, radi il koun hande le mukawin hada, li houa le statocyste. Ou had le statocyste, la position ta'a, il va se placer dans la partie inférieure de l'animal, yani mtaht. Où le principe terre est comme un niveau de construction. Il y a une sphère, un ballon, au fur et le ballon qui est une bille, où la bille elle est maintenue par les structures, où à chaque fois que l'animal va basculer à droite ou à gauche, elle la bille va être la position correcte. D'accord. Donc le statocyste aussi, il est spécifique au ténèbre. Pour le deuxième point qui concerne la classification, les ténèbres, on les a classés par rapport à la présence ou pas de tentacules. Il y a ni edre. Chefnabelik, qui est des ténèbres qui possède des tentacules, a la classe des tentaculés. Ou les ténèbres qui ne possèdent pas de tentacules, a la classe des atentaculés. Donc, ce n'est pas compliqué, soit tentaculé, soit
tentaculé, c'est l'anatomie de l'octène s'il fait partie de cette classe ou de l'autre classe. Donc voilà pour le premier embranchement des ou l'embranchement des ctenaires. Et je passe rapidement l'embranchement des cnidaires, parce que qui m'a tafou, les vidéos doivent bsef, mais je ne voulais pas refaire le cours, mais finalement. Alors, le deuxième embranchement, c'est l'embranchement des cnidaires. Donc, l'embranchement des cnidaires, kif-kif, ce sont des êtres qui sont marins ils vont posséder un certain nombre de critères et de caractéristiques. La première caractéristique, c'est la présence de deux formes. Alors, deux formes, quand je dis deux formes, maintenant, c'est pour une sous deux formes. Soit un séboum sous forme de polype, qui s'agira. Hein? C'est la forme fixée, soit un séboum sous forme de méduse, ou les méduses kotafouhum. Donc la forme polype qui s'agira, à peu près comme ça, d'accord, et elle est fixée, ou la forme méduse que vous connaissez, c'est la forme libre, d'accord, donc. Pour chaque espèce, il y a un sébora fixé, et un sébora, pardon, polype, et un sébora méduse, et un sébora, elle alterne entre les deux formes. Ben, quelle est l'histoire? L'essentiel, c'est quand on dit cnidaire, ça veut dire soit polype, soit méduse. D'accord? La deuxième caractéristique, justement, elle va concerner elle, les deux formes, puisque le cnidaire a la possibilité d'effectuer un cycle vital. Le cycle vital ou intérieur pendant la période de reproduction. Yani marhalet et tezaouj. Quelle espèce marhalet a radi tchtelef, une espèce l'espèce, chaque espèce de cnidaire va passer par ce cycle vital. Puis le cycle vital, justement, il va utiliser une reproduction sexuée, manetra radi yistamel. Des cellules sexuelles, mâles et femelles, où il faut les deux formes, la forme polype et la forme libre. D'accord? Donc, je vais te faire mon très rapidement. Tout va commencer par la forme polype. Tout va commencer par la forme polype. Un polype adulte. Et le polype adulte, en période de reproduction, Charlie dit, l'isna des. Des formes méduses. D'accord? Kingwood, des formes méduses, c'est la forme sexuée. Donc, les méduses, soit ils vont porter des cellules sexuelles mâles, soit ils vont porter des cellules sexuelles femelles. D'accord? Ensuite, ils vont libérer leurs produits. D'accord? Les cellules vont se rencontrer par fécondation externe, d'accord? La rencontre va me former des larves, et elles ratent, qu'on appelle les planulas. Les planulas vont encore se fixer pour former de jeunes polypes. Les jeunes polypes et des polypes adultes, où les polypes adultes vont refaire le même cycle. D'accord? Donc, le cycle vital, c'est un cycle caractérisé par une reproduction sexuée qui va se faire, bien sûr, en période de reproduction bâcle. Et chaque espèce a une période de reproduction, la reproduction sexuée. Mais en dehors de la période de reproduction, les cnidaires peuvent se reproduire par reproduction asexuée. Et la forme polype, elle peut utiliser une reproduction asexuée. D'accord? Donc, autrement dit, si je vous pose la question Google, comme est-ce que les cnidaires utilisent une reproduction sexuée ou la asexuée, vous allez me dire ils utilisent les deux. La reproduction sexuée, ils se terminera pendant la période de reproduction, ou la reproduction asexuée, ils se terminera pendant toute l'année pour la forme polype.
Donc voilà pour le deuxième point, les huwa le cycle vital. Et le troisième point avec lequel je vais terminer, huwa la présence de cellules spécifiques qui mettent l'ecténerbe, ça va être là, mais ce sont les coloblastes, ce sont les cnidoblastes. Alors, les cnidoblastes, justement, c'est-à-dire les cnidoblastes, les cnidoblastes, ce sont des cellules spécifiques, c'est pour rien les cnidaires, où le rôle, contrairement aux coloblastes, c'est un rôle de défense. C'est un rôle défensif. Il y a un rôle qui diffère, mais qui est tardien. هادو لي كنيدوبلاست وين غادي نسيبوهم لا بوزيسيون تاعهم سي اون بوزيسيون اكسترن سي تادير غادي نسيبوهم او نيفو دو ليكتودير ما غاديش يكون ان كنيدوبلاست غادي يكونوا بلوزيغ كنيدوبلاست كي فون سو ديسبوزي سور ليكتودير و لو رول تاعهم سي لا ديفونس معناتها لانيمال كونت يل سو سون مناسي دونك اي فا اكتيفي سي كنيدوبلاست. Comment il va les activer? Ou cher Didi, ou Hedou les cnidoblastes? Hedou les cnidoblastes, ce sont des cellules qui contiennent du vénin. Soum. D'accord? Hedsum Heda, Rali, Ikoun, Derel, Khalia, Terna. D'accord? Ou Khalia, Terna, au période de repos, bien sûr, elle ne va pas étendre son vénin. Yani, le vénin, Taha, Gerd, Derel. Kit Activa. Hada travaille avec le vénin taha ou attaquer le prédateur, et donc c'est pour ça que quand on passe à côté d'une méduse et si on rencontre une méduse, ça fait très très mal ou il y a une réaction urticante. Avec la réaction, c'est parce que il y a du vénin sim, et il faut savoir que certaines études même utilisent le vénin dans le traitement du cancer. Khalid, comme le schéma du cnidoblast, parce que je te fais mon nez, mais Radin Hur, comme le schéma du cnidoblast, en même temps, on dit faire comme le mode d'action terrain. Puis je vois un cnidoblast, c'est une cellule, d'accord, qui contient un noyau et qui contient deux choses importantes. D'accord, la première structure, c'est ce qu'on appelle le cnidocyme, yani chouaïra. D'accord, ou la deuxième structure, ou la poche, hein, on appelle ça le cnidocyste. D'accord, le cnidocyte, donc, ben, ou le cnidoblaste, chez qui est le cnidoblaste, le cnidocyste, pardon, qui est déjà du vénin, son. D'accord, donc, le vénin, ou le liquide venimeux. D'accord, derrière le liquide venimeux, il y a la série de structures qui vont baigner dans le liquide venimeux. C'est-à-dire, il y a le liquide venimeux. D'accord, la première structure que je suis en train de dessiner avec des épis, ou le filament, on appelle ça une ampe. D'accord, ou est la hampe, la sarfiha, un filament. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Normalement, vous faites un filament. Donc, puisque le cnidocyste derrière fait le sim, donc, ma radi chigod mahloul, est le cnidocyste. Les sim, il coule mbella. D'accord, mbella, pas. Ce qu'on appelle une opercule. Ça me fait le fait que il me fait faux bon et je ne trouve pas de solution. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que en période de repos, les cnidoblastes tawana et que nous blaine ou semra derrel ou la amprahi derrel. Si jamais on touche au cnidocyte, yani si jamais on est en contact d'un cnidaire, le cnidocyte, ça dit une hel.
كي نحل الكنيدوزيس ما عندها لا اومب غادي تخرج لو فيلامون غادي يخرج وغادي توشي لو بريداتور كي توشي بيسكو لو فيلامون كان في السم دونك هذاك السم هو اللي يحرقنا وهو اللي يعطينا هذيك لا رياكسيون اورتيكونت كون لا كي اون رياكسيون تري ديزاغريابل على لابروش دون ميدوز اي على لابروش دان كنيدير بوليب كيف كيف لا ميم شوز كي لي كنيدير بوليب كي لي كنيدير ميدوز il possède les cnidoblastes au niveau de l'ectoderme. Le pourcentage, c'est-à-dire le nombre de cnidoblastes qu'il y a, est une espèce et espèce. Ça, toutes les espèces possèdent un cnidoblast au niveau de la surface. D'accord? Donc, voilà pour les trois caractéristiques les cnidaires. Bien sûr, pour plus d'informations et plus de détails, le cours, l'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est que le cnidoblast a un rôle défensif ou le coloblast a un rôle nutritif. Et je termine par le dernier point qui concerne la classification des cnidaires. Donc, pour la classification, alors les cnidaires, ils vont être représentés par trois classes. D'accord ? Trois classes, les classes, elles servent la dominance de la forme. D'accord ? Qu'il y a des classes qui alternent entre la forme polype et la forme méduse. C'est la première classe, qui est la classe des hydrozoaires. On peut les appeler aussi les hydraires. D'accord ? Donc il y a une alternance polype. Méduse, peut-être comme des exemples le manuscrit, ou peut-être comme des exemples aussi la vidéo. Donc, à quoi ça ressemble. La deuxième classe, c'est une classe, les radins se voient plutôt sous la forme méduse, c'est la classe des syphozoaires. D'accord, surtout sous la forme de méduses, où ils sont caractérisés par la présence de formes géantes, comme les méduses géantes, qui m'appelle Géanoctuquella, pour les gens qui ont fait un petit travail personnel sur cette espèce-là. Ou la troisième classe, c'est une classe qu'on va trouver plutôt sous la forme polype, à part la période de reproduction, c'est la classe des ontozoaires. La classe des ontozoaires, c'est surtout sous forme polype, sous forme qui met le corail, sous forme de corail, qui met le corail rouge par exemple, corallium rubrum, c'est plutôt sous la forme de polype. D'accord? Donc, comment ils ont été classés? Ils ont été classés par rapport à la dominance de la forme de vie. Il y a une alternance, il y a une dominance à la forme méduse, ou là, il y a une dominance de la forme polype. Voilà. J'espère que vous avez compris le résumé. Retuez vite parce que déjà dans la vidéo, quand même, j'ai tout là. Donc, j'espère que ça ne va pas trop vous alourdir. J'attends toujours vos commentaires que je ne reçois pas. Ça ne me décourage pas. Je continue. Allez, une partie. Il y a la partie des tridermiques, je vais vous parler des tridermiques, ou je vais vous parler des tridermiques acélomates, d'accord, pour terminer la série de révisions pour se préparer aux examens. Mettez une like la vidéo si elle vous plaît, si elle vous plaît pas, c'est pas la peine. Partagez surtout parce que l'intérêt, les amis, est commun pour tous les étudiants. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, Inch'Allah, dans laquelle on va parler des tridermiques. Bon courage pour la suite et bon courage pour les examens.